De retour pour un entraînement upper body en salle à mon boulot. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler directement du training, je vais vous laisser le visionner et l'analyser, mais on va parler d'un sujet très fréquent, très 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 fréquent, qui est la progression sur nos séances. Donc la progression, elle se mesure sur plusieurs paramètres. On aurait effectivement la charge ou les répétitions, donc ça c'est le plus simple, mais on a également ce que j'appelle la qualité et l'intensité dans les séries ou dans les séances. La qualité, vous pourrez identifier ça comme la technique, l'amplitude et la tension exercée sur le muscle pendant l'exercice d'isolation ou non. Et l'intensité, c'est généralement le choix de la charge et à quel point vous poussez aux séries, donc généralement avec les techniques d'intensification type rest pause. Donc personnellement, après mes années d'entraînement, maintenant bientôt 6 et demi, 7, je sais plus. Je cherche à progresser sur ces deux points et non pas absolument la charge. Chercher la progression dans la charge ou dans la répétition, c'est bâcler la technique. Et on sait très bien que bâcler la technique, ça amène blessure et ça n'exploite pas le plein potentiel de développement sur le muscle cible. Et imaginons que vous faites du développé couché. Tout ce que vous arrivez à faire en faisant un PR, donc une performance chaque jour, c'est utiliser du rebond, c'est défixer les épaules, c'est... Enfin bref. Plein de négatifs dans le training, alors que si sur chaque séance vous appliquez à effectuer la meilleure technique, la meilleure tension, tout en poussant les séries le plus loin possible, premièrement, vous allez apprécier votre entraînement, deuxièmement, vous allez musculairement plus progresser, car votre système nerveux va être plus reposé, vous pourrez plus vous entraîner, vous allez fournir plus de volume, un volume plus ciblé, donc vous aurez plus de muscles. J'espère juste avoir été assez clair. Une fois de plus, c'est juste mon opinion. Je vous laisse finir de regarder cette vidéo. On en parle dans les commentaires, j'imagine. Ici, un posing à 84 kg, off-saison. Donc, je n'ai pas de compétition prévue avant au moins des années. Je ne sais pas trop ce que je fais encore, je vous avouerai. Peut-être 2017 ou pas. Donc, physique aux alentours des 84 kilos, j'ai mal nulle part, j'aime bien m'entraîner, je mange à ma faim. C'est un pec, c'est ce qu'on veut. N'oubliez pas, la musculation, ça doit être un plaisir. Rapide outro pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que le montage au début de la vidéo vous a plu. J'adore Paris, je vous le sais savoir, il fait beau. Pokémon Go on a daily basis, baby please. Commentez si vous aussi vous avez le bronzage du camionneur. Vive l'été à Paris. Merci, on se voit ce week-end. Tagitrain, restez connectés. Peace out.